et bienvenue au Café Max by Chloé. Aujourd'hui, nous vous invitons à venir voir le façonnage des Manalash. Suivez-nous. Je vous présente Louis, notre apprenti pâtissier qui façonne plus de 120 Manalash dans nos ateliers quotidiennement. Le Manalash représente le Saint-Nicolas, patron des écoliers, bien ancré en Alsace parmi les traditions de Noël. Ce Manalash est composé d'une pâte briochée et façonnée à la main pour obtenir un joli poupon. De la farine, du sucre, du beurre, de la levure fraîche et une pincée de sel et des œufs sont les ingrédients de cette pâte. Après cette fabrication, il suffit de laisser la pâte bien au repos durant une nuit afin que la fermentation puisse se faire. Après dégazage, il faut rabattre la pâte puis en faire des petites boules, 80 g, qui serviront à réaliser le sujet. Ensuite, une seconde poussée est nécessaire pour que le Manalash prenne sa forme. Il faut compter 3 heures à 22 degrés. Avant cuisson, le produit est doré d'un œuf pour lui donner toute sa brillance. La cuisson d'une durée de 15 minutes à 180 degrés apportera tout le moelleux. Je vous invite à déguster nos manalas de notre boutique. À bientôt !